Hey yes, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, du coup une vidéo sur GTA V, donc la lutte territoriale, voilà. Donc là normalement c'est le 7ème, donc le dernier, voilà. Donc je passe sur le dernier parce que c'est très compliqué de trouver des parties sur la Xbox One, voilà. J'ai eu un peu de mal à en trouver, étant donné que quand je tourne cette vidéo, il est un peu tard, on va pas se le cacher. Le petit bémol c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis du coup j'ai dû rejoindre la première, faire la première qui était en 4 manches pour ensuite pouvoir accéder à celle-là, du coup qu'on a voté. Et puis la 7ème a l'air pas mal, voilà, donc 52% d'évaluation. Et puis bah, du coup c'est parti, donc il y a deux équipes comme vous pouvez le voir. Du coup maintenant je me connais mieux que le début, donc en fait si vous voulez ça marche un petit peu comme des positions. On peut être 4 équipes, là par exemple on peut voir qu'il y en a deux, il y a la bleue et la orange, après il peut y en avoir d'autres. Et du coup, on va être déjà prêt à jouer. Du coup, on va rester dans notre équipe en espérant que ça se passe bien. Attendez, c'est combien? Ils sont 3. Attendez. Et oh. Je trouve que ça triche parce qu'ils sont plus que nous. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais mettre. Ben, pas prêt. Attendez, mais on est où là? Attends, je suis où? Ah, ok, je suis dans l'équipe de Orange, donc le premier. Donc, du coup, les gars, dites-moi si ça vous plaît. Lutte territoriale. Donc, la première vidéo, je m'y connaissais pas vraiment. Donc en fait du coup comme je disais il y a des bases, donc va falloir du coup essayer de tenir le plus longtemps à des moments, et en fait moins on se fera tuer, enfin c'est très compliqué à expliquer, c'est trop compliqué à comprendre, en fait c'est assez aléatoire. Du coup si ça se trouve il y en a ils savent mieux que moi. J'ai envie de vous dire, moi je joue mais je comprends pas trop enfin quelles sont les règles. Déjà je sais qu'il faut tuer et qu'il faut pas se faire tuer, et qu'il faut essayer de rester au milieu le plus possible pour que notre barre, en fait notre rond s'augmente pour gagner des points, voilà. Et puis souvent dans une manche on a deux voire 3 points maximum, voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a deux zones, donc il y a celle-là et celle des adversaires. Et puis ben voilà, ça c'est une nouvelle map que je découvre en même temps que vous. Et puis ben voilà, on va découvrir ça en espérant que ça vous plaise. Et puis ben n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, voilà, qui fait plaisir. Donc du coup c'est parti, vous pouvez voir. On va faire un petit tour vite fait de la map, donc des grandes murailles, donc à gauche il peut y avoir une autre équipe, à droite une autre. Et là vu que c'est bleu là-bas, ça veut dire qu'il y a les adversaires. Donc il y a un espèce de petit labyrinthe, mais vraiment quand je vous dis un petit, c'est vraiment un petit. On peut voir les ennemis sur la carte, donc là je vais récupérer un petit peu l'arme qui est juste là. Et donc on va direct attaquer les ennemis, pas trop près, mais il va falloir faire attention, mais on va essayer de s'approcher au plus près de nos petites cibles. Qui vont pas atterrir trop de zones d'épée, sinon il va y avoir carnage. Tac, lui j'ai pas de me laisser avoir. Donc je me suis fait avoir, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, ça commence comme ça, mais on compte pas se laisser faire. Donc là où comme vous pouvez voir, vu qu'ils avancent. Ah bah non, c'est nous qui gagnons les points, ça veut dire que les adversaires ont fait du taf. Mais enfin c'est très compliqué à comprendre comme règle. Même moi je vous avoue, j'ai encore du mal alors que ça fait plusieurs parties que je joue. Depuis la vidéo. Oula. Donc là il aurait fallu jouer aux pompes. Ils vont essayer de nous spawn kill. Du coup, on va essayer de les repousser le plus possible. Je pense que la meilleure des solutions, voilà, c'est de se mettre ici et d'essayer de les repousser. C'est tout ce qu'on pourra faire nous. Perso, voilà. Alors on va jeter une petite grenade là-haut les gens, en espérant qu'elle soit assez bien posée. Donc là c'est bon, on les repousse. La grenade, bon du coup, qui a pas servi à grand chose. Donc je compte à fond vous commenter du coup le gameplay, bah, pour vous compreniez en quoi ça consiste. J'adore tourner des vidéos sur ce mode de jeu, sur ce mode de rivalité. Donc les gars, si vous voulez exploser la barre des pouces bleus, il y a toujours le petit défi en bas dans les commentaires, je mets la plupart du temps. Et bah, du coup on réfléchira pour un épisode suivant, et puis je pense que oui, je ferai un épisode suivant, voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai failli le tuer, mais pas tout à fait. En haut, vous pouvez voir aussi, du coup je me répète, mais bon. Du coup là c'est eux qui augmentent et c'est pas nous, donc ça c'est vraiment pas bon pour nous, parce que les points c'est ce qui est important dans une manche, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je suis en train aussi de me faire bien défoncer, mais bon. Donc voilà, petit gameplay tranquille en espérant qu'il vous plaise. Du coup c'est la 7ème map, et puis il y en a 7, donc voilà, c'est la 7 et dernière map. Donc moi je vais essayer d'aller à leur spawn en passant à droite, parce que personne n'y va là, avec le gars orange. Si vous voulez, on va essayer d'aller à leur spawn et du coup de les spawn kill là, ça serait bien cool et bien drôle. Et puis on verra s'ils feront encore leur malin. Donc c'est parti, en attendant, parce que là ils gagnent les points et puis c'est pas nous. Et ça c'est vraiment pas bon pour nous si on veut avoir une chance de gagner cette game. Donc là on a pu voir le bonhomme en bleu là-bas, je sais pas si vous l'avez vu. Là, voilà, ici, il a. Oh, il m'a bien eu. J'ai même pas réagi, il met du 4-0, ça m'énerve ça.
qu'en plus ça a un impact sur notre ratio personnel, hein, le ratio qu'on a dans qu'on a normalement, en fait ça a un impact dessus. C'est vraiment relou. Ok, alors. Ah, du coup maintenant ils passent tous de ce côté, bah écoutez, hein, moi je vais partir comme un lâche et je vais aller de l'autre côté. Hashtag le gars qu'assume pas. Tac. Alors on continue. On va essayer de la gagner cette partie. On va essayer. C'est pas gagné. Alors normalement il y a un bleu qui va s'apparaître là s'il bouge. La grenade, ah non, elle est mal passée là. Et il croit quoi lui? Et il croit quoi? Il va sortir ici. Et là il regrette de s'être aventuré. Donc là, au suivant. Donc là, là il va pas croire que je suis si fort que ça, mais je sais, il va taper le terrain, il va revenir. Il y en a un par là, hein. Oh, j'aurais une belle petite brûle. Voilà, boum. Donc là, les gens, on est en train de gagner des points en haut. On essaie de se rattraper au mieux. Clairement, ça, c'est super bon pour nous. Il va falloir que j'essaie de me mettre ici sans mourir. Voilà, ça, c'est parfait. Voilà, lui, il faut l'avoir là. Voilà, c'est bon, je suis au fond. Faudrait pas que je m'aventure trop tout de suite là. Donc là-bas, il y en a un autre qui arrive. Je préfère mettre comme ça et tenter. Ah ok, donc là, en fait, on avait à gauche et tout devant. Donc j'ai cru. Enfin, je savais plus quoi faire. Clairement, je savais plus quoi faire. On va pas se mentir, on va pas recompter du mytho. Donc là, faut qu'on continue à gagner des points. Donc faut rester au milieu. Heureusement, il y en a encore deux qui sont là. Alors, on va essayer de sniper un peu. Attendez. De sniper un peu. Voilà, donc lui il a snipé. Ah non, j'ai cru que j'avais eu du premier coup. J'avoue, je suis un peu deg. Donc là j'ai pas eu de me faire tuer tout de suite. Donc on va patienter un peu parce qu'il faudrait qu'on banne ce deuxième camp avant de mourir. Tac, voilà, c'est bon, on l'a eu lui. Ça c'est le plus important. Du coup pour nous. Et lui dès qu'il ressort. Ah non, je vais tirer le pompe quand même. Là ça se fait pas. J'espère qu'on a gagné le deuxième point en attendant que je sois là. Attendez, je crois qu'ils ont gagné. Bon c'est pas grave, c'est qu'une manche, on pourra très bien gagner la prochaine. En espérant qu'on gagne la prochaine les gens, parce que sinon si on gagne pas, j'ai envie de dire ça serait bien dommage. Donc du coup on s'est fait que 8000. Normalement ce serait fait 4000 et eux 8000, mais bon vu que c'est double RP, double argent, vous savez très bien comment ça se passe. Déterminé pourtant là en plus, hein. Je gagne ma thune en faisant ça en ce moment. En vrai c'est grave cool, hein. ce nouveau mode de jeu est vraiment sympa, et je pense qu'il est encore plus sympa avec des gens, avec des potes et tout ça. On se met des petits défis. Bon après voilà, sur ma chaîne c'est bien que ce soit aussi moi des fois, parce que vous savez que je fais plein de vidéos avec des gens, mais c'est bien aussi des fois que ce soit que moi, voilà, que ce soit pas que avec des gens toujours. Donc là on a perçu une montagne en face, au passage, check à la montagne. Allez, on va pas mitrailler, on va essayer de juste, de, voilà, donc là on gagne déjà, vous pouvez voir en fait qu'on augmente là en orange. Donc ça c'est vraiment bon pour nous, c'est patate. Donc là ma tête elle dépasse. Aïe aïe aïe, ils vont me frôler la tête. Ok, il est mort. Même si c'est pas moi qui l'ai tué, c'est pas grave. Nous, on joue objectif. Faut qu'on gagne cette deuxième manche pour qu'il y en ait une dernière. Bon, peut-être que la vidéo sera un petit peu plus longue que d'habitude, mais écoutez, pourquoi pas, hein. Du coup, vous savez que j'adore ce mode de jeu. Enfin,
crois que vous savez. Alors lui là. J'ai bien capté, là. Il y en a de tous les côtés. Donc là il va monter. Là lui va falloir que je l'ai avant qu'il tue trop de coéquipiers. En plus il y en a deux là. Là c'est tendu là. Ok, on a gagné un point, ça c'est parfait pour nous. Donc il m'a eu, c'est pas grave, je vais essayer de l'avoir dès que je vais spawner. Je vais vraiment essayer de m'appliquer pour avoir cette petite team. Bon, c'est bon, mes coéquipiers l'ont eu, ils ont géré, ils ont pas cherché à attendre. Donc là franchement on est en train de les défoncer comparé à la première manche. Clairement, peut-être que c'est un mot assez vulgaire. Franchement, j'ose pas trop dire des insultes et tout. Je sais bien qu'il y a des gros youtubeurs, j'ai pas envie de dire de nom, j'ai pas envie de faire promo, parce que eux m'en feront jamais. Mais il y a des gros youtubeurs, eux, qui disent des insultes, ils peuvent, mais moi je préfère pas prendre le risque. Et du coup, je reste assez sérieux en faisant mes vidéos. Par contre, dans les lives, ouais, ça y va les gens. Oula, là vous l'avez capté là-bas, bon. Ouais, je l'aurais eu, franchement, je l'aurais eu si. Ouais, lui là, lui. Faut pas les laisser les gens comme ça. Hein. Ils s'en foutent, c'est. Et on est en train de... Ah, c'est eux qui récupèrent les points, c'est quoi ça? D'où ils récupèrent les points? Oh, c'est pas normal ça. Hein. Où est mon équipe? Tac. Normalement, là, c'est bon, c'est nous qui récupérons les points. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai grafté le ménage. C'est bon, lui il a eu. Donc on a encore marqué un point, là, normalement il n'y a pas de raison qu'on perde. On pourrait même essayer de les spawn kill, donc là faut vraiment se rapprocher, faut tenter l'impossible. Tac. Plus on fait de kill, mieux c'est pour mon ratio. Donc là les gens on se débrouille plutôt bien. Mais du coup vu qu'ils ont gagné la première, il y aura normalement une troisième manche. Attention qu'ils ne reviennent pas trop non plus. Si on pouvait gagner un troisième, ça serait assez stylé pour une sorte de petite revanche, même si c'est des histoires de manches. Ah là là, les gens, on est posé là. Hein. Je trouve que ça marche bien, on est bien où on est, posé, tranquille, en espérant continuer à faire nos petits kills tranquille. Histoire de pas se répéter. Par contre, c'est l'arme. Oh, regardez, ça c'est beau, cette arme, vous allez voir. Regardez cette arme, ça tire. Elle est pas trop belle là. Oh là là, elle est belle, elle est belle, elle est belle. C'est un beau joujou. Bon, vous avez vu comment je l'ai exterminé. Ah ouais, je m'en fiche. J'ai perdu, mais je viens de me faire des kills là. J'aurais pu rester à mon même endroit, genre jouer en mode. Ouais, voilà, vous avez vu, on a gagné, on pouvait. Manche vainqueur, mais c'est pas la partie vainqueur, donc du coup ça continue les gens, même si la vidéo est un peu longue, écoutez les gars, on peut se faire plaisir de temps en temps, mes vidéos elles sont plutôt courtes, bon à part la Hitman, hein, je vous l'accorde, la Hitman par contre ça dépasse tout, par contre la vidéo Hitman Marrakech elle a grave buzzé, bon voilà, elle a fait ses vues, c'était plutôt pas mal, ça m'a plu, et donc ça m'a plu, ça vous a plu, donc c'est plutôt cool, voilà. Et donc il y aura sûrement, on continuera à faire ces petites vidéos Hitman car il y a d'autres maps. Mais bon, là on est sur GTA en attendant. Et puis c'était juste pour vous dire que ça durera peut-être un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais écoutez, tant pis. Donc dernière manche. Si on gagne, enfin. Ou s'il gagne, ouais, c'est un peu compliqué. Donc là, faut vraiment reprendre de l'avance. Donc là, c'est nous qui gagnons les points. Ça, c'est vraiment bon pour nous. On va essayer d'aller jusqu'à là-bas. On va essayer de refaire comme tout à l'heure, si vous voulez. Pour vous la jouer plus simple. Pour vous compreniez mieux ce qu'on va tenter de faire. Enfin, en vrai, ce qu'on va tenter de faire, je sais pas dans leur tête, mais bon. Là, point bleu là-bas. Ok, faudrait qu'il y ait quelqu'un qui le voit là. Ils ont pas envie de perdre comme tout à l'heure. Ça se voit déjà. Donc c'est bon. Par contre, à droite là, il se rapproche d'où. Je crois que Non, c'est bon, il y en a deux là-bas. Et là, plus moi qui les ai aidés. Du coup, j'ai comme fait une assistance, on va dire.
Donc là, il s'est inquiété pour moi. Donc là, on gagne les points. Il faudrait au moins qu'on en gagne un pour commencer. Attendez, on va le faire monter. On va le laisser monter. On va le canarder. On va se recacher. Ok, donc là... Ah, mais les joueurs, ils sont grave chauds. Je préfère rester là. Oula, par contre, ça, c'est l'arme, vous savez. C'est la bête d'arme là, que j'avais utilisée juste avant. Qui avait fait un beau petit carnage. Ah non, je me suis carrément raté là. Ah non, les gens dégoûtés, je me suis carrément raté avec mon arme. Donc là, ouah, bon, je me suis fait défoncer. J'ai fait un petit peu n'importe quoi. Mais bon, là, c'est pas vraiment une game où il faut faire n'importe quoi. Donc faut vite retourner au milieu, ils sont en train de prendre le dessus sur nous. Et ça, c'est vraiment pas bon pour nous. Là, je parle de plus en plus vite. Le stress, de plus en plus. Donc là, attendez. Faut se concentrer. Faut pas se laisser abattre. Donc là, attendez, je vais laisser le orange. Ok, donc il est mort. Je vais me mettre là, histoire d'assurer ici. Et puis là, on va voir qu'il a. C'est bon, il a la spawn, là. Ils vont s'en occuper derrière, j'espère. Lui, là, s'il meurt, franchement, je serais dégoûté. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Tranquille. Par contre, si on a plusieurs, ils passent par là, là, ça m'énerve. Mais meurs. Ah c'est bon, il s'en occupe. Il faut que je reste là pour essayer d'assurer. Ouais, c'est bon, il est mort. Vous avez participé à l'élimination, du coup, vous avez vu, c'est comme des assistances, on va dire. Donc là, je préfère jouer l'assurance, même si je vais pas au combat. Moi, je préfère rester derrière. Je suis à l'arrière-plan, tu sais. Oh, il a récupéré l'arme de ouf, là, vous savez. En vrai, la personne qu'il a, s'il sait, c'est jouer, pas comme moi juste avant, il fait son kill tranquille, mais bon, là, j'avais pas du tout géré. Là, il va y avoir quelqu'un à droite. Il monte de plus en plus vers moi. Oh, j'aurais dû prendre le pompe et je l'aurais eu d'un seul coup. Et c'est pas ce que j'ai fait, donc on oublie. J'espère qu'on a augmenté de points, je faisais pas attention. Ouais, du coup, on a 2 points, c'est grave tranquille. Hein. On s'en sort bien, on est à 17 minutes, ça fait plaisir. Moi, j'aime pas quand mes vidéos sont longues, du style vidéo GTA 5 et tout, mais bon. Écoutez, par contre, si on est tous en train d'avoir peur pour lui là, ça va peut-être avancer. Donc là, moi, clairement, j'ai envie d'y aller. C'est bon, il est mort. Donc là, je vais me remettre à mon plan. Donc là, c'est eux qui gagnent les points. Et ça, c'est pas bon du tout pour nous. Du coup, il faudrait qu'on s'en fasse quelques-uns pour récupérer les points. Pas une mourir. Attendez, je vais récupérer la bête d'arme. Ah non, 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 je suis tombé dessus, c'est en mourant, mais je l'ai pas récupéré. Toz. Je me suis fait toser. Bon, allez, on lâche pas l'affaire. C'est nous qui gagnons les points, là, c'est bon. Le troisième, après, c'est victoire assurée. Hein. On va se détacher. Du coup, là, les bleus. Ah, tac, il faut l'avoir. Oh non, dommage, on l'a pas eu. Mais on va y retourner, vous inquiétez pas. Hein. Ah, c'est bon, il y a l'arme du milieu, là. J'ai pas envie qu'on me la prenne. J'ai envie de faire... Je vais foncer faire un kill avec. Oh, vous avez vu? Boom, bitch, get up. Voilà. J'aurais essayé de faire le kill. Donc du coup, partie vainqueur, ça fait super plaisir. Donc 15 JP, 46 000. Oh, il n'y a plus le temps. 5310. Et donc du niveau 131, voilà. Donc j'ai pas augmenté de niveau. On va juste regarder vite fait les kills que j'ai fait. Donc là, on peut voir que je suis... à droite, voilà. 2 à partir de la droite. Du coup, on va vite voir les kills que j'ai fait. Vite. Je me trouve pas. Ah, ok. J'ai fait du 3-3. Ouais, bah c'est du 3-3, mais la manche. Vu qu'il y a eu 3 manches, je m'en sors plutôt bien. Donc, petit pouce bleu. Toi aussi, tu peux lâcher ton pouce bleu sur la vidéo si ça t'a plu. Et me dire si tu veux encore une vidéo. Du coup, sur ce mode de rivalité, et puis bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo si t'as envie, et puis bien, on vous dit tous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace les gens !